Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. Salut tout le monde, c'est Eddy de la chaîne Guitare en cours. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur une chanson de Jean-Jacques Goldman, Elle a fait un bébé toute seule. Ce sera un tuto guitare et chant, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire les accords, bien évidemment, mais aussi à placer le chant sur ces accords ou sur ces changements d'accords. Alors attention, ce ne sera pas un tuto pour les grands débutants. Ce sera cette fois-ci un tuto légèrement plus avancé. Alors il y aura quand même quelques accords barrés qu'il faudra apprendre donc à enchaîner. Donc si vous avez commencé la guitare il y a deux semaines, ça risque d'être un petit peu compliqué. À la limite, ce que je peux vous conseiller, de beaucoup plus facile si vous voulez travailler la guitare et le chant, c'est d'aller cliquer sur un de mes liens qu'il y a sous la vidéo avec des packs de formation tuto guitare chant facile, c'est-à-dire avec un niveau débutant vraiment, et au fur et à mesure des chansons, on augmente le niveau pour apprendre à enchaîner les accords, à placer le chant sur ces accords et à travailler les rythmiques. Donc pour aujourd'hui, ce sera accord barré, le chant, et on va voir une petite rythmique pas trop compliquée pour commencer à enchaîner tout ça. C'est parti, c'est maintenant. Alors pour cette chanson, on a dit qu'on allait avoir des accords barrés, donc on va commencer directement avec un Fa. Alors un Fa, c'est tout simple, vous avez un barré sur la... Enfin, c'est tout simple, j'enlève ce que je viens de dire. C'est... Pour les débutants, c'est pas simple, effectivement, mais en gros, à comprendre, en tout cas, c'est simple. Vous avez un barré, c'est-à-dire un doigt qui prend toute la première case, comme ça, près de la frette. Ensuite, vous allez avoir sur la troisième case, l'annulaire à la cinquième corde, toujours les cordes en partant du bas, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, annulaire à la cinquième corde. Juste en dessous, à la quatrième corde, le petit doigt. Et encore en dessous, à la case donc numéro 2, sur la troisième corde, le majeur. Ok, là vous avez un Fa, Fa majeur. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais garder ces trois doigts qui sont ici, mais celui-ci, je vais redescendre mon index ici pour faire un mini barré sur les deux cordes du bas. Ok ? Ça évite de faire un barré complet. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est plutôt que de faire un barré sur les deux cordes du bas, c'est de jouer uniquement la corde numéro 2, en partant du bas toujours, la corde numéro 2, corde de Si, et de toucher légèrement la corde qui est juste en dessous, la corde numéro 1, avec votre index, pour qu'elle ne sonne pas, tout en gardant donc toujours les trois autres doigts ici en Fa. Ok, moi c'est comme ça que je le joue. Donc ça c'est notre Fa. Ensuite, après notre Fa, nous aurons un Si bémol. Si bémol, c'est-à-dire que le doigt qui est ici va rester dans la première case, en barré. Et ici, on est censé avoir donc une forme de La majeur, comme on fait dans La majeur d'habitude, ici en deuxième case. Et bien il faut l'avancer d'une case avec notre barré en première case. Donc, et la case numéro 2, qui est une case complètement vide, sans aucun doigt dessus. Ok ? Donc ça c'est un Si bémol, que moi je vais faire aussi différemment, c'est-à-dire que les trois doigts, alors je vais garder mon barré ici, mais les trois doigts qui sont ici, je vais faire un mini barré avec mon petit doigt. Au lieu d'avoir ces trois doigts-là, je vais faire un mini barré avec le petit doigt, et je vais garder ici, donc uniquement la fondamentale qui est en Si bémol ici. Et en bas, je vais toucher avec mon doigt pour que, avec mon index, pour que la corde ne sonne pas. Donc en gros, je vais avoir que ces notes-là. 1, 2, 3, 4. Celle du haut et celle du bas, je ne les joue pas. Ok, donc ça, vous pouvez le faire soit avec le petit doigt, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le petit doigt, vous pouvez le faire avec l'annulaire, c'est le même principe. C'est-à-dire un mini barré au milieu du manche, comme ça, au milieu des cordes, sur les trois notes de notre La majeur, de notre forme de La majeur. Donc là, on est en Si bémol. Et ensuite, on va passer en Do. Donc on va avancer notre Si bémol de deux cases en gardant toujours cette même forme. Donc
Le si bémol est ici, sous mon index, si bémol, si et do. Donc là, on est en do. Ok, que moi, je vais faire encore avec le petit doigt. Donc on aura fa, si bémol, do, pour revenir sur un fa à nouveau. Donc on a la première phrase. Elle a fait un bébé toute seule. Ensuite, la deuxième phrase, on aura un Ré mineur, que normalement vous savez déjà faire. Hein. Au cas où, première corde, première case, troisième corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case, et vous avez un Ré mineur. Ensuite, on aura un Sol 7. Alors le Sol 7, c'est simple, vous allez garder votre index ici tout en bas, et vous allez monter le majeur, toujours dans la deuxième case, sur la corde numéro 5, en partant du bas, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la troisième case, l'annulaire, sur la corde numéro 6. Et vous avez un Sol 7. Donc on était en Ré mineur. On va juste remonter celui-ci de deux cordes et celui-ci, tout en haut. Et pour revenir sur un Do normal. Donc deuxième phrase, ça fera Ré mineur, Sol 7, Do, Do. Si on reprend du début, Fa, Si bémol, Do, Fa, Ré mineur, Sol 7, Do, Do. Ensuite, on reprend sur un Fa, sur un La 7e. Alors, le La 7e, vous avez la forme de La qui normalement est comme ça avec les trois doigts. Vous allez enlever le petit doigt et descendre d'une corde l'annulaire pour avoir votre La 7e. Ensuite, un Ré mineur à nouveau, un Si bémol. Et on revient à la dernière phrase qui est la première aussi. Fa, Si bémol, Do, Fa. Bien sûr, vous pouvez télécharger les paroles et accords qui s'affichent à l'écran sur mon site. Donc, vous avez le lien aussi, je ne sais plus exactement comment c'est noté, mais lien vers les PDF des chansons, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette chanson pour pouvoir la voir près de vous, ce sera plus facile de suivre. Donc, voilà, là, on a fait donc tous les accords du couplet. Ça va faire « Elle a fait un bébé toute seule, elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. » Et on continue avec le refrain. Ça va faire donc Fa, La 7e, Ré mineur, Si bémol. La même chose, Fa, La 7e, Ré mineur, Si bémol, pardon. Ensuite, Fa, et là on a un Sol mineur 7. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, ça ne l'est pas spécialement. Le Sol mineur 7, on va amener notre index en barré, donc à la troisième case. Et on va uniquement venir mettre l'annulaire sur la cinquième case. Alors la cinquième case, toujours en partant du capot, on est d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième case de la cinquième corde en partant du bas, 1, 2, 3, 4, 5, et vous avez un Si mineur 7. Forcément, le déplacement entre le Fa et le Si mineur 7, ça se travaille, mais si on regarde bien, notre annulaire ici est déjà en place, donc on n'a plus qu'à glisser l'annulaire de deux cases, et à faire un barré, et on est en Si mineur 7. Donc pas spécialement compliqué. Le plus dur, c'est toujours faire sonner l'accord barré. Mais le déplacement en lui-même, Fa, Si mineur 7, n'est pas spécialement compliqué. Ensuite, nous avons à nouveau un Fa, un Si bémol, un Si mineur 7, un Fa, un Si bémol, un Do, et un Fa.
Et là, nous avons le refrain. Donc, si on refait le refrain entièrement. Elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la babysitter, du paquet de couches au biberon les 4 heures. Et elle fume, 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 même au petit déjeuner. Ok, ensuite deuxième couplet et refrain, c'est exactement la même chose. Et on arrive au moment du pont. Donc elle téléphone quand elle a mal, etc. Donc là, ça va être pareil, les accords c'est toujours les mêmes de toute façon. Donc on va être sur le Fa, La7, Si bémol, Fa, Sol mineur, Fa, Si bémol, Do, Ré mineur, Fa, Si bémol, Fa, Sol mineur, Fa, Si bémol, Do, et on finit sur la phrase, la première phrase de la chanson, Fa, Si bémol, Do et Fa. Donc si on se fait le pont avec le chant, ça va faire, avec la voix, ça va faire, elle téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir, je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins, je la fais rire, un peu comme un grand frère, un peu incestueux, quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Voilà pour les accords, on va essayer de placer le chant sur tout ça maintenant. Donc pour placer le chant, effectivement, il faut déjà apprendre à enchaîner les accords. Donc on va commencer par la première phrase, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc tous les changements d'accords se font au moment des syllabes qui sont inscrites en rouge sur le PDF. Donc ça veut dire qu'on va faire, on va commencer à chanter et on voit que le elle a fait, le A est colorié en rouge, est coloré en rouge. Donc on va jouer notre Fa pile poil au moment où on chante elle a fait. Ok, donc ça va faire elle a fait. Et le bébé, donc le premier B est en rouge, donc elle a fait un bébé toute seule. Ensuite la deuxième phrase. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. Ok, identique pour le deuxième refrain, les syllabes toujours en rouge, c'est à ce moment-là que vous passez vos accords. Et si on en vient donc au refrain. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la babysitter. Des paquets de couches au biberon de 4 heures. Et elle fume, 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 même au petit déjeuner. Et là, vous avez donc vous arrivez à placer le chant. Normalement, en faisant le moins de choses possible avec la main droite, vous allez réussir à placer le chant assez facilement. Donc pour commencer à travailler le chant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, on va faire que des coups vers le bas. Et on va s'entraîner à passer nos accords. Donc ça va faire. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. Vous voyez le principe? Ensuite, deuxième couplet, c'est pareil. Elle a fait un
bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a choisi le père en scientifique. Pour ses gènes, son signe astrologique. Elle a fait un bébé toute seule. Et le refrain. Et elle court toute la journée. Elle court de décembre en été. De la nourrice à la baby-sitter. Du paquet de couches au biberon de 4 heures. Et elle fume, fume, fume. Même au petit déjeuner. Voilà, vous vous entraînez vraiment à passer le chant et, les accords ensemble avant même d'attaquer la moindre rythmique. Pour ce qui est de la rythmique, je vous conseille de faire un babao au bao pour essayer de commencer à placer une rythmique et le chant avec si vous avez un peu de mal à chanter en jouant de la guitare. Autant ne pas s'en rajouter trop tout de suite. Donc ça va faire... Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Elle a fait un bébé toute seule. Et le refrain, pareil. Et elle court toute la journée. Et pour ce qui est du couplet de la fin, il n'y a plus de rythmique et au niveau du tempo, vous la faites un petit peu comme vous voulez. Téléphone quand elle est mal, quand elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins. Je la fais rire, un peu comme un grand frère, un peu incestueux. Quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Et voilà, vous avez toute la chanson, donc entraînez-vous. N'hésitez pas à télécharger le texte qui est en lien sous la vidéo. Et si vous avez des envies d'un tuto guitare-chant, quelle que soit la chanson, n'hésitez pas à me le demander, je verrai si je peux vous le faire. Dès que possible, voilà, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Salut tout le monde, à très bientôt, ciao !